Ce biface, oui, c'est moi qui l'ai ramassé dans le désert libyque. Ça ne veut pas dire en Libye. Ça veut dire dans l'ouest d'un désert qui est à l'ouest de l'Égypte. Et ce qui est celui-là de très remarquable, c'est que vous voyez que les deux côtés ne sont pas pareils. Il y a un côté qui est poli par le sable chassé par le vent. Il était posé par terre. Alors il est luisant, il est comme verni. Et l'autre côté est mat. Ce qui veut dire qu'il n'a jamais été retourné. Entre le moment où un monsieur du paléolithique inférieur qui avait une antilope a dépecé, a fabriqué un biface, a dépecé son gibier et a lancé son biface par terre, il n'en voulait plus, il n'avait plus besoin. Il est tombé comme ça. Et ensuite un autre monsieur qui était moi, il y a 3 ans je crois, il ramassait cet objet qui n'avait jamais été retourné. Et le nombre d'années est intéressant, enfin le nombre approximatif d'années est intéressant à connaître. C'est 100 000 ans entre les deux messieurs, celui qui a fait le biface et celui qui l'a ramassé. 100 000 ans. Voilà un caillou qui a passé 100 000 ans sagement par terre comme ça, sans bouger, sans être retourné. Et pourtant il a passé des éléphants, ils auraient bien pu se prendre les pieds dedans, des girafes, des hommes de la fin de la préhistoire. Personne n'a songé à retourner un caillou, mais bon, on se demande pourquoi il l'aurait retourné, après tout. Alors, ça donne une idée de la durée. 100 000 ans, c'est pas grand-chose dans l'histoire de la Terre. C'est un éclair. Mais pour nous, primates, éphémères, c'est déjà respectable. Il y a une originalité chez Théodore Monod qui lui donne beaucoup d'attraction et en même temps de crédit. C'est que c'était quelqu'un de fasciné par la vie, et qui rendait la vie fascinante. Et je crois que ce qui rend cet homme homogène dans sa vie, c'est cette défense du vivant. Défense absolue du vivant. Alors, dans sa diversité, c'est le naturaliste, et dans son éthique, c'est l'homme engagé. Il fait partie de ces étoiles, ces pionniers qui se sont engagés sur un terrain, qui l'ont fait progresser, et qui ont laissé beaucoup de souvenirs de modèles. Il y a quelque chose comme un modèle dans son comportement social, scientifique. Et Théodore Monod faisait partie de ces sages qu'on pouvait consulter, d'autant plus qu'il avait, je ne dirais pas les portes ouvertes, mais le cœur ouvert, l'esprit ouvert. Je me rappelle d'une fois en Mauritanie, on se pose avec un petit avion et on éclate un pneu. Donc l'avion fait une petite embardée et puis le pilote se met sur le terre-plein central, bloquant d'ailleurs l'espèce d'aéroport dans lequel nous étions, tout le trafic. Et on nous demande de patienter, la tour de contrôle dit ne bougez pas, on vous envoie. Lui, il est sorti de l'avion sans qu'on s'en rende compte. Et au moment où on s'est mis à le chercher, il avait traversé 2 pistes d'avion pour aller prélever des échantillons dans une bande herbeuse entre deux taxiways. Voilà. Ça, c'était Théodore. Dans ce lieu sans intérêt, lui, il trouvait un intérêt. Tout était objet de savoir, de connaissance, de réflexion. Et puis, voilà, il était à l'image du monde, c'est-à-dire qu'il se passionnait de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Quoi, voilà. C'était voilà, cette échelle. Il était à l'échelle de l'univers, Théodore. Sans pour autant être déconnecté de la réalité. Ce n'était pas un savant isolé dans sa bulle, insouciant ou inconscient du monde qui l'entoure. Pas du tout. Et beaucoup d'écoute. Et une telle humanité en lui, ça brillait toujours. Il y avait toujours cette extraordinaire étincelle. Et tout l'intéressait. Une curiosité de chaque instant. Et avec cette philosophie du présent, quoi. On ne gâche pas le présent, on le vit, on l'utilise, pas d'inutile. C'est quand même le dernier naturaliste humaniste, quelqu'un qui prêtait attention à tout être vivant et à toute chose, beaucoup d'attention, beaucoup de curiosité, et quelqu'un de très exigeant, mais aussi de très simple.
Il avait un certain regard assez amusé sur les choses, avec une certaine distanciation et la volonté d'en profiter. Dans un jardin privé d'un ami, il faisait d'abord l'herbier. C'est d'abord la botanique du jardin avant d'aller boire une tasse de thé, ça c'est sûr. Il fallait d'abord savoir où il était, si ce caillou était ceci ou cela. Il mâchonnait les feuilles, il regardait à la loupe qu'il avait toujours sur lui les fleurs et il identifiait les choses. Identifier, ça le consolait de beaucoup de choses. Il considérait qu'il a, voilà, c'est, ça c'est fait, c'est, on le sait, c'est fait. Maintenant on continue à explorer. Au fond, c'était il faisait l'inventaire de cette planète. Théodore Monod, pour moi, il reste Théodore Monod, le chercheur. Théodore Monod, l'Africain. L'image qui me vient, c'est qu'il est quand même associé au désert, même si on ne peut pas le réduire au désert. C'est quand même cet homme qui, proche des 100 ans, continuait avec une même énergie, une même spontanéité, une même volonté, une même obstination à aller dans le désert. Je le soupçonne souvent de chercher des choses, à la fois parce que c'était un vrai scientifique, mais parce que c'était aussi de magnifiques occasions pour lui, opportunités et justifications d'être dans le désert, tant il aimait le désert. Parce qu'il y a une chose qui incarne bien Théodore, c'est cet amour quand même de la nature, des grands espaces, du vivant, des origines, insatiable. Comme il l'a dit lui-même, un seul continent par existence. Mais lui-même n'ayant eu qu'une seule existence, il en est resté principalement à l'Afrique de l'Ouest. Oui, c'était déjà un grand territoire. Hein. C'était un grand territoire, surtout si on le prend par l'aspect saharien et donc désertique. Et bien qu'il n'était pas allé en Afrique... pour dédier sa vie aux grandes étendues désertiques, puisqu'il était océanographe. À l'instar de son père et de ses ancêtres pasteurs, Théodore Monod aurait pu se tourner vers la théologie. Il a finalement préféré inventorier les richesses de la création et témoigner de leur beauté. À l'intérieur de ce foutoir, les choses sont parfaitement en place. On ne peut qu'être émerveillé devant la vie, devant la diversité, l'ingéniosité de la vie, et l'on cherche une explication. Mais comment en est-il arrivé là, dans ce musée de Dakar qui porte désormais son nom, lui qui naît non pas sur la bosse d'un chameau, mais à Rouen, le 9 avril 1902. Naître dans une famille comme la mienne, fils de deux parents de grande culture, élevé de la façon dont j'ai été élevé, j'en suis très reconnaissant. C'est une chance inouïe, incroyable. Dès son plus jeune âge, Théodore aime fréquenter le jardin des plantes à Paris et s'émerveiller devant les choses de la nature. Pour être entré un jour garçonné de 5 ans dans ce monde enchanteur, je ne l'ai plus quitté. En ouvrant un bouton de fleur, il s'exclame. On croit que dans la nature, il n'y a que l'extérieur qui est beau, mais le dedans aussi. Le directeur de l'école alsacienne où il est scolarisé note. Il m'apparaît ainsi. Pas 6 ans et déjà quelqu'un. À 7 ans, à l'occasion de l'anniversaire de sa mère Dorina, il a cette phrase. La mort nous menace, mais la vie est tenace. En mai 1910, à la question pourquoi il s'intéresse passionnément à la géographie, il répond à son père. « Quand j'ai eu 7 ans, tu m'as donné un livre d'astronomie et j'ai voulu connaître le monde. Alors j'ai pris la Terre comme astre préféré. Puisqu'on ne connaît que celui-là, il faut en profiter. Si on connaissait Mars ou Jupiter, peut-être que j'aurais choisi une autre planète. Mais pour le moment, on ne connaît que la Terre. » En 1915, son livret scolaire de classe de 4e mentionne « excellent élève qui a tendance à l'espièglerie. » À 14 ans, Théodore rédige son premier rapport naturaliste, une description rigoureuse des insectes et fleurs découverts à quatre pattes dans les buissons du Midi. En classe de seconde en 1917, son professeur de français note « Du goût, de grandes qualités littéraires et déjà une certaine maturité d'esprit, doit brillamment réussir. » Cette même année, à 15 ans, le jeune Monod crée sa propre société d'histoire naturelle qui compte André Gide parmi ses membres et édite un bulletin Le Martin Pêcheur dont il est à la fois rédacteur, imprimeur, directeur, trésorier, secrétaire et écrivain, relieur, livreur.
il est déjà singulier et pluriel. Dans une lettre à sa marraine du mois d'avril 1918, Théodore confesse « Les jouissances que me procure l'étude de l'histoire naturelle sont inexprimables. Et loin de détourner la pensée de Dieu, la nature nous remplit de stupeur pour l'œuvre de l'Éternel. C'est un privilège inouï de pouvoir étudier la vie à la surface du globe. Quel mystère !» Au cours de ses études en sciences naturelles à la Sorbonne, Théodore Monod est choisi pour participer à plusieurs campagnes scientifiques en Bretagne. Lors d'une visite à ses parents en novembre 1920, le président de la Société océanographique de France déclare qu'il est une des espérances de la science française. Nommé assistant au muséum après l'obtention, mention très bien, de sa licence en sciences naturelles, Théodore Monod est envoyé en Mauritanie pour une mission d'un an pour le laboratoire des pêches. En décembre 1922, le voilà à Port-Étienne, devenu depuis Nouadhibou. Il en fait le récit suivant. 10 mois durant, Maxence vécut sur cette terre d'âpreté et de lumière dont il aimait la laideur et l'effrayante monotonie. Sa fonction humaine le maintenait sur la côte ou l'envoyait parfois sur quelques robustes chalutiers roulés dans les lames vertes des houles océaniques. Il moissonnait alors l'étrange et multicolore végétation des prairies sous-marines et observait avec ravissement les poissons de toutes tailles et de toutes couleurs, depuis les dorades roses ou violettes jusqu'aux énormes serrons à ventre jaune d'or, qui, dans un bruissement d'écailles, venaient à chaque virée du chalut s'écrouler sur le pont gluant en vivante litière. Mais son esprit, toujours en avance sur son corps, n'était déjà plus là. Enflammé par ses lectures, enthousiasmé par les quelques sensations sahariennes qu'il pouvait découvrir à Nouadhibou, Maxence voulait aller plus loin. Le désert l'attirait irrésistiblement. Il savait que son heure viendrait, que le désert l'avait conquis et ne le laisserait point aller sans lui faire subir son initiation. « Demain, je m'enfuis dans le désert. » Parti le 14 octobre 1923, Théodore Monod effectue sa première méharée. Il relie Port-Étienne à Saint-Louis du Sénégal, où il arrive un mois plus tard. Il fait la découverte de la marche lente des chameaux, du rythme caravanier, de la solitude, même si c'était toute une troupe, mais de la solitude quand on est sur un de ces camélidés. Et il prend, je crois, goût pour lui-même et pour sa réflexion personnelle à ce genre de situation. Et là, il n'a pas complètement basculé, mais il est resté toujours en chemin entre les grandes étendues océanes et les grandes étendues de sable, pétré, comme on dit, de cailloux du désert. Je crois qu'il a eu le coup de foudre pour ce pays, mais c'est un peu normal. Il était scientifique et le pays était totalement vierge, vierge de connaissances. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la... Quasiment personne n'avait jamais travaillé sur la Mauritanie. Vous vous rendez compte, pour un jeune scientifique qui était multidisciplinaire comme lui, c'était une aubaine, c'était extraordinaire. Je veux dire, il y avait eu les militaires, et encore, à l'époque, en 22, quand il est arrivé en Mauritanie, il y avait des bagarres de partout, les réseaux, ça... Tous les matins, il y avait des réseaux, donc on était dans une zone d'insécurité totale qui ne permettait pas à un scientifique de travailler. Or, il a passé outre ces problèmes de banditisme de l'époque et de révolte de population contre l'arrivée des Français. Et il s'est concentré sur son travail. Et d'entrée, je pense qu'il a vu les possibilités qu'il avait sur ce terrain de découvrir plein de choses, comme il était très curieux. Et puis la seconde chose, c'est que je pense que ça collait bien avec son image spirituelle. Il était quand même d'une famille protestante, avec un père pasteur, avec une éducation quand même, on l'avait énormément aimé, je pense, mais énormément aussi éduqué dans un cadre très précis et assez dur. Et en fait, il se retrouvait dans tous ces textes bibliques, il se retrouvait dans le désert en même temps. La Mauritanie, pour lui, c'était la spiritualité, c'était... c'est normal, parce que ces grands espaces... Ça amène à réfléchir, hein, c'est normal. Tout le monde dans le désert réfléchit. C'est là où sont nées les religions monothéistes. Je veux dire, on n'a pas, même si on n'est pas un croyant, on est touché par le côté du désert
qui vous remet en question. On apprend sur soi-même dans le désert, et le désert, ça vous reconstruit quelque part. Ou ça vous détruit, ou ça vous reconstruit. Et Théodore, ça l'a construit à 250%. Après l'infiniment grand, l'infiniment petit. À son retour en France, Théodore étudie en 1924 les gnatidés, petits crustacés, et plus particulièrement le Paragnacia formica, un parasite de poisson découvert en Bretagne. À l'issue d'une année passée au Cameroun afin d'en recenser la faune aquatique, celle des grands fleuves et des rivages marins, il soutient sa thèse à la Sorbonne en décembre 1926. Il obtient la mention très bien. Lettre du 29 octobre 1927. Au cœur du hogar, sous la tente. Me voici retournée aux vies primitives, à la farine de datte, au riz et au thé, à la gandoura, au turban, aux lourdes chaleurs des midis, aux aigres bises des nuits au désert. J'ai repris avec joie la pratique de l'art méhariste. Sélectionné en tant que naturaliste pour participer à la mission Ogiras Draper, Théodore Monod va parcourir pendant 15 mois le Sahara occidental. Parti d'Alger en octobre 1927, l'itinéraire du groupe d'explorateurs est de traverser le Sahara central jusqu'au fleuve Niger pour relier enfin Dakar. Objectif : explorer des régions peu connues, en dresser la carte et amasser le plus possible de matériaux scientifiques sur la Terre, l'homme, les animaux, les plantes, le climat. Passionné par la résistance des plantes dans ce milieu hostile, le naturaliste explorateur y cueille la première fleur de son herbier et observe la progression de la végétation saharienne à la végétation sahélienne. Il ne cessait de dire à mon père « c'est courageux les plantes ». Et je trouve ça formidable parce que c'est vrai que la capacité de résistance d'une plante, d'évolution, d'adaptation, est exceptionnelle. Et en cela, il était très attiré par l'observation, mais dans un milieu plutôt aride. Qui, à mon avis, c'est une des raisons de son attraction pour le désert. L'observation apparaît plus exceptionnelle sur les plantes, les animaux, les minéraux, etc., que si vous êtes dans la forêt amazonienne. Vous comprenez ? Et je pense qu'il y tirait en même temps une spiritualité plus forte que dans la profusion d'une nature exubérante. Avec un collègue, il découvre un squelette fossilisé, l'homme d'Aslar. Découverte importante qui prouve que le Sahara était déjà habité de populations noires à l'époque néolithique. En mars 1928, Théodore Monod rentre à Paris, les caisses remplies d'échantillons, les yeux pleins de rêves. Dans quelques jours, il aura 26 ans. Après l'avoir aperçu à Paris au printemps, le jeune homme revoit en août 1928, dans la propriété de son oncle Julien Monod, à Anty-sur-Léman, une certaine Olga Pikova, jeune étudiante originaire de Bohême, qui apprend le français à la Sorbonne. En 1928, il rencontre une jeune femme, belle et souriante, qu'il appellera son écureuil, lui se réservant le droit d'une appellation le hérisson. Ce qui en dit long sur ce tandem. Et cette conjoncture zoologiquement incertaine entre un hérisson et un écureuil. Les fiançailles des jeunes gens ont lieu en septembre 1928. Mobilisé malgré lui sous les drapeaux pendant 15 mois, Théodore a par chance été affecté à une compagnie saharienne. Grâce à Ogiras qu'il a connu avec Draper, quand il doit être militaire, au lieu d'être à Metz ou à Brest, Ogiras, qui est quand même de l'armée d'Afrique, a apprécié Théodore. Il a vu la qualité du saharien. Donc il va essayer de le muter au Sahara, de façon à ce que... Bon, il devient méhariste de deuxième classe,
me disait toujours, s'il y avait une troisième, j'aurais été troisième classe. Et il est muté à Insala. Et là, bon, évidemment, il reste quelques semaines, il s'ennuie dans la caserne. Et visiblement, vu, à mon avis, le discours qu'il pouvait avoir par rapport à l'armée, par rapport à ci, à pardon, on décide de l'envoyer un petit peu dans le Djebel pour l'éloigner un petit peu de la caserne et pour lui faire plaisir. Lettre du 6 février 1929. Nuit, la dernière à Insala. Ce départ n'est pas drôle, mais je n'ai pas peur de ce qui est aventureux et héroïque. Je pars seule avec un soldat arabe et trois chameaux. Quelle solitude, quel silence, quelle paix. Et vous voudriez ensuite que je me réconcilie avec vos villes, avec votre civilisation. Envoyé dans la Draranet, région très reculée du sud algérien, le jeune Mono est le premier Européen à l'explorer de part en part. Il fait, entre autres, un remarquable travail sur les peintures rupestres. Quelle belle vie, saine, rude, forte, libre, savoureuse, ces bivouacs d'un soir, ces nuits venteuses sous les étoiles, ces frustres nourritures de soldats sahariens. Ah, que j'aime tout cela! Olga sait-elle que son Théo est déjà marié avec le Sahara lorsqu'elle l'épouse au temple de l'Oratoire du Louvre à Paris le 24 mars 1930, arborant fièrement ce beau burnous blanc qui lui servira de linceul? Après un voyage de noces en Normandie et une visite aux parents d'Olga en Bohême, le jeune couple s'initie à la vie familiale. Une petite Béatrice naît à leur foyer en juin 1931, puis Cyril en 1933. Avec l'aide d'Olga, Théodore Monod met de l'ordre dans ses récoltes, poursuit ses études et publie de nombreux travaux sur les crustacés et sur le désert. Parmi eux, la Draranet, contribution à l'étude d'un district saharien. Allons, il est temps de reprendre le large et la vie nomade. En mars 1934, Théodore Monod est en Mauritanie. Il n'a pu résister à l'appel du désert. Son objectif, poursuivre les fouilles sur le site d'Aslar et retrouver dans la région de Shingeti une fameuse météorite signalée en 1916 que nul n'a trouvée depuis. Le naturaliste relève le défi. Pendant 15 mois, il explore l'Adrar de Mauritanie. Pour la première fois, Théodore Monod au Sahara va être un électron libre. C'est-à-dire qu'il va prendre son chameau, ses goumiers, et il va foncer à travers le désert. Et là, il va se révéler être redoutable sur le plan des itinéraires et de la volonté de découverte qu'il a. Je ne m'étais jamais rendu compte des itinéraires complètement dingues qu'il avait pu faire de milliers de kilomètres. Mais c'était dingue. Ce type partait de Tombouctou, montait donc du Nord Mali, monter jusqu'en Algérie, passer par Taoudéni, le Hank, au Rio de Oro quasiment, redescendait sur la Dardi Foras, remonter, redescendait. C'était hallucinant. Je veux dire, c'était des milliers de kilomètres, souvent seul avec quelques nomades. Il fallait une volonté de fer. Je pense qu'on n'atterrit pas au Sahara comme ça. Je veux dire, en tout cas, on n'y vit pas comme ça. C'est-à-dire, parce qu'entre vivre ce que vit la vie d'un touriste qui y passe 15 jours et y vivre pendant des semaines, des mois, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que le Sahara, c'est quand même le royaume de l'immobilisme. C'est un endroit qui est très dur. Des fois, il fait extrêmement chaud, des fois, il fait extrêmement froid. On a du papier de verre qui est le sable en permanence qui s'élève avec le vent. Donc, je pense que... Il faut supporter le Sahara et Théodore l'a supporté d'une manière extraordinaire, avec toujours un but. Dans toutes les régions, surtout occidentales du Sahara, Théodore Monod a été un pionnier en matière d'archéologie, pas simplement d'archéologie d'ailleurs. Il a été un grand informateur, il a exploré énormément de zones où il a trouvé des sites. Avant lui, on avait quelques informations par des méharistes militaires sahariens, européens, qui servaient dans ces régions-là.
mais on n'avait pas de travail vraiment sérieux. On avait quelques petits ramassages à gauche, à droite, des petites informations sur, sur tel lieu où on pouvait trouver cela, telle culture, pas encore telle culture, tel objet du moins. Mais avec Théodore Monod, on avait des informations plus précises. Tout était fait de façon rigoureuse. C'est une recherche, une exploration systématique des zones que l'on traverse. C'est tout ça qui fait que Théodore Monod a apporté beaucoup pour la science. Quand il va au Sahara, c'est pas que pour la solitude et la liberté, c'est parce qu'il a un programme de travail. Voilà. C'est un espèce d'engrenage qui s'est révélé être particulièrement adapté à ce qu'il cherchait pour lui-même. Alors je dis bien pour lui-même parce que il a quand même laissé ma mère avec deux enfants pendant un an et demi. Il a vraiment, son travail prenait la part principale de ses actions. C'était d'abord ça. Et le reste devait suivre ou pas, mais bon, il ne s'est pas beaucoup soucié de cet aspect-là des choses. Il était trop passionné. Il a reconnu que sa chance dans la vie, c'est d'avoir fait ce qui l'intéressait le plus. Et il ajoutait, et d'avoir été payé pour ça. Les recherches de la météorite restent vaines. En revanche, il tient enfin la stratigraphie de la région, découverte géologique qui fera grand bruit dans les milieux scientifiques concernés. Ayant parcouru plus de 5000 km à chameau ou à pied, amassé plus de 10 000 objets, croquis, dessins, relevés géologiques qui remplissent ses premiers cahiers de récolte, il rentre en France en juin 1935, pas pour longtemps. Chaque voyage ajoute, perfectionne, et les hommes ne se connaissent que par le voyage, note-t-il. Après un nouveau détour en février 1936 par le Tanais Ruft, désert dans le désert, à l'exploration duquel il n'a pu résister, Théodore Monod publie à son retour une multitude de rapports scientifiques sur la géologie et la préhistoire du Sahara occidental, toujours aidé par Olga car la tâche est immense. Il va écrire juste après, en 37, Méharé. Et là, les journaux coloniaux, et notamment la presse militaire, va quand même s'empresser de dire « on a affaire à un sacré bonhomme ». Parce que là, c'est autre chose. Attention, dans les méharistes militaires, il y avait aussi des types qui avaient fait des choses extraordinaires. Mais là, on a affaire à une pointure. Et en plus, il est un véritable explorateur. Il acquiert ses lettres de noblesse de l'exploration pure. C'est-à-dire qu'il va dans des zones totalement inconnues. L'après-midi de Pâques, je suis allée avec lui sur la plage située au bas du phare des Mamelles. Ses promenades sont très enrichies par tout ce qu'il sait. Aucun coin de l'histoire naturelle ne lui est étranger. Monod est un grimpeur intrépide. Les poches bourrées de plantes et de cailloux, nous étions aussi heureux que nos enfants qui couraient dans le sable après un premier bain. C'est ce qu'écrit en avril 1939 l'assistant de Théodore Monod. L'an passé, le naturaliste a été nommé secrétaire général de l'Institut français d'Afrique noire à Dakar. Son diplôme d'arabe littéraire fraîchement obtenu, Théodore Monod a pris ses fonctions le 14 juillet 1938. Sa femme Olga l'a rejoint à l'automne avec leurs trois enfants. Ambroise est née au printemps. Sa nouvelle mission consiste à promouvoir la recherche scientifique en terre africaine. Créé sur le papier en 1936, sur place, rien n'existe, tout est à faire. Dans le palais Verdier, trois petites pièces vides lui ont été attribuées. À 36 ans, pratiquement sans moyens, sans matériel, sans personnel au début, Théodore Monod va faire preuve d'un talent nouveau, celui d'administrateur. Il a donc créé l'IFAN, et c'est beaucoup. Parce qu'avant cette création en 1938, la recherche se faisait sur le terrain, bien sûr. Bien sûr, la plupart du temps, c'était les administrateurs des colonies qui parcouraient le pays, qui écrivaient des articles, qui recueillaient des objets. Et sur le terrain, on pratiquement fait les premières fouilles. Mais tout cela se faisait un peu dans le désordre et il n'y avait pas une coordination. Donc, en créant l'IFAN, il a donné un cadre à la recherche en Afrique. Et ceci est extrêmement important. Pour la recherche africaine, c'était vraiment un élan. Dans la mesure où il y avait sur place maintenant les possibilités, les moyens de conserver des choses qu'il aurait peut-être été plus difficile de conserver avec la distance.
À l'époque, on ne venait pas si facilement que ça en Afrique, on venait en bateau. Aucune histoire de la recherche dans les domaines des sciences de l'homme et de la nature en Afrique ne peut être écrite sans mentionner à sa base les travaux réalisés par l'IFAM sous Théodore Monod. La mission de l'IFAM étant de faire l'inventaire du milieu, des hommes et de la culture, l'une de ses premières réalisations est le musée, qui permet de rassembler différentes pièces et œuvres d'art provenant de toute l'Afrique de l'Ouest. Mais les premiers pas du nouvel institut sont vite freinés par la guerre. En octobre 1939, le caporal-chef Monod, parti sans armes ni bagages, doit rejoindre un détachement de tirailleurs sénégalais à l'autre bout de l'Afrique française, dans le nord du Tibesti, à la frontière du Tchad et de la Libye, avec pour mission de surveiller l'ennemi. Même quand on est chargé d'espionner, pourquoi ne pas en profiter pour parcourir la région qui présente d'impressionnantes montagnes et concrétions volcaniques ? C'est ce que fait Théodore. Il explore, fait des relevés, établit des cartes, escalade le cratère volcanique de l'Emi Koussi, point culminant de la région, herborise. En mars 1940, il découvre sous des fougères une plante inconnue qui porte désormais son nom, la Monodiella flexuosa. Et pourquoi ne pas en profiter pour observer de plus près le deuxième volcan de la région, même s'il est situé au sud de la Libye en territoire ennemi ? Qu'à cela ne tienne, Théodore télégraphie aux ennemis italiens pour demander l'autorisation. Mais son message est capté par les services français. Et ce que j'ai cru comprendre, c'est que il s'est fait renvoyer à Dakar parce que, poursuivant des recherches géologiques qui n'avaient pas lieu d'être en pleine guerre, il s'est retrouvé en territoire italien. Et là, on l'a pris pour un espion. Et donc, très vite, la méprise, on s'est aperçu que c'était un inoffensif troufion. Mais je crois qu'à partir de là, les autorités militaires ont considéré qu'il n'était pas d'une grande efficacité et que sa place n'était pas là pour faire des observations géologiques sur le Sahara, mais qu'il vaille mieux qu'il retourne à Dakar. Et à Dakar, il a eu des engagements politiques très forts contre les Allemands, le régime nazi, et il a été très engagé. De retour à Dakar en octobre 1940, les poches pleines de cailloux et avec un très volumineux herbier, le caporal-chef redevenu directeur reprend en main l'IFAM. Pendant un an, il donne aussi chaque semaine une causerie à Radio Dakar afin de lutter contre l'idéologie nazie, jusqu'à ce que les autorités décident de le priver d'antenne. À la demande officielle d'enregistrer des Juifs, Théodore Monod écrit le 19 septembre 1941 aux autorités françaises. « Monsieur, je n'ai pas l'honneur d'appartenir au même peuple que Jésus-Christ, Saint Paul, Saint Jean, Maïmonide, Spinoza, Mendelssohn, Einstein et Bergson. Mais ma femme, plus heureuse, a ce privilège. Puis-je donc vous prier d'avoir l'obligeance de me faire tenir les imprimés nécessaires à son immatriculation sur votre nouveau registre ?» Les imprimés ne sont jamais arrivés. En 1942, Théodore Monod crée avec un ami les Forces fraternitaires françaises. Et c'est en tant que président de la France combattante à Dakar qu'il accueille officiellement le général de Gaulle en janvier 1944. Sauf une sœur émigrée en Palestine en 1938, aucun membre de la famille d'Olga Pikova ne reviendra des camps de la mort. Ma mère a connu des chagrins immenses avec la disparition de toute sa famille. Elle perd sur les 1, 2, 3, 4, un frère et trois sœurs et son père à Térésine et puis Auschwitz, sans jamais en parler. Sans jamais en parler, c'est-à-dire en gardant pour elle des informations qui ont d'abord été incertaines et qui ont été confirmées après la guerre, avec les numéros des convois, les numéros, etc. Voilà, c'est pas très facile à admettre, à vivre, etc. Je pense qu'elle a dû recevoir de la part de Théodore beaucoup de soutien,
mais ça a été pour elle très difficile. Donc elle avait une tristesse intérieure sûrement indicible, comme les gens de cette génération-là, qui ne pouvaient pas dire, c'était pas possible quoi, de raconter. Jamais elle ne nous a parlé de ça. Mais dans notre famille, on ne dit pas, on ne parle pas. On ne s'embrasse pas et on ne parle pas. C'est un mode de vie. Moyennant quoi, tous ces problèmes liés à la relation aux autres, ils sont évacués par l'idée que l'essentiel est toujours ailleurs. S'il y a un accrochage, s'il y a un problème, etc., un drame, ça se minimise, parce que l'essentiel est ailleurs. Et je crois que Théodore le croyait, ça, vraiment, qu'il y a toujours un ailleurs. Et heureusement qu'il y a un ailleurs, parce que sinon, on penserait qu'on n'a rien à faire. Or, cet ailleurs, il faut aller l'habiter. C'est toujours ce projet, cette idée que voilà, il disait, on n'est pas obligé de croire, mais il n'est pas interdit d'espérer. Et il a cheminé comme ça. Dans le difficile contexte de la guerre qui se poursuit, Théodore Monod crée de toutes pièces le plus grand institut de recherche que l'Afrique de l'Ouest ait jamais abrité. Il faut tout faire à la fois. Mettre une structure en place, créer des départements, réunir des chercheurs, trouver des crédits, éditer des publications. Sur le modèle du Muséum et du Musée de l'Homme, c'est lui qui fixe de manière magistrale le programme général de cette école française d'Afrique, rassemblant sous le même toit les sciences de l'homme et les sciences de la nature, avec le département géographie au milieu. L'IFA est un puzzle au plan disciplinaire. Et tout cela a été coordonné, mixé, de telle sorte qu'il y avait des passerelles entre les deux. Par exemple, quand ceux des sciences de l'homme allaient sur le terrain, s'ils rencontraient des éléments qui concernaient l'autre discipline, l'interférence jouait toujours. Et je pense que chacun était conscient qu'il avait une mission globale avec des responsabilités spécifiques. Et je crois que c'est ça qui faisait vraiment l'intérêt, l'esprit d'équipe, la vitalité de l'IFAN durant toute cette période-là. Et donner des directions sans imposer quoi que ce soit aux chercheurs, je crois que cette initiative est très bonne. Et l'existence de l'IFAN aussi a attiré les chercheurs. Donc, tous ceux qui avaient une fibre pour la recherche en sciences humaines ou dans les sciences de la nature trouvaient un point de chute à l'IFAN. Il est bon de rappeler, par exemple, que de grands chercheurs africains ont fait leur initiation à l'IFAN. C'est là où ils ont été souvent formés, où ils ont pris conscience eux-mêmes de leur art, de leur technique et de leur écriture. Cette maison a vu naître et s'est développée les premières communautés de chercheurs. Les traces sont ici et je crois que pour la mémoire, c'est très important. Et je pense que tout cela a été possible parce que le constructeur de cet ensemble a été attentif à des influences très diverses. Et ici, au Sénégal, il était perçu comme un homme, disons, de recherche, comme un homme de création. Vous voyez, c'était pas seulement le directeur de l'IFAN derrière ses masques et ses statuettes. Hein. C'est un homme qui, à travers les masques, allait beaucoup plus loin. Et d'abord, je crois qu'il avait compris que chez nous, le masque n'est qu'un masque, que tout est derrière le masque. Comme toujours, Monod voit au-delà des cadres établis et pense universel. Il crée des filiales de l'IFAN, des centres IFAN un peu partout dans toute l'Afrique de l'Ouest. Saint-Louis du Sénégal, Abidjan, Côte d'Ivoire, Bamako au Soudan, devenu depuis Mali, Cotonou au Dahomey, actuel Bénin, Niamey au Niger, Ouagadougou, ancienne Haute-Volta, actuellement Burkina Faso, et des centres associés, Douala au Cameroun et Lomé au Togo.
Ces centrifuges ont la même mission que l'IFAN de Dakar. Ils collectent des matériaux pour la recherche dans les sciences de la nature et dans les sciences de l'homme et œuvrent à la préservation et la reconnaissance des cultures africaines. Même si tout cela n'est pas du tout bien vu par l'administration coloniale. Au large de Dakar, sur l'île de Gorée, Théodore Monod crée deux musées. Le musée historique embrasse toute l'histoire de l'île. Gorée a son fonds de commerce, hein, que l'esclavage. Mais Théodore Monod avait quand même, disons, dépassé certaines idées. Il n'était pas focalisé sur des idées comme cela. Il était très ouvert. Il savait très bien que l'esclavage existait. Il savait très bien que Gorée était une des plateformes de l'esclavage. Mais il savait très bien que Gorée rebondirait autrement que par l'esclavage. Et Gorée est une vitrine face à la mer. Et ça, il le savait. Gorée est un balcon sur la mer. En dépit de sa passion pour le désert et de ses très nombreuses activités à l'IFAN, le naturaliste n'a pas oublié son intérêt pour la mer et les poissons. Aussi fonde-t-il un grand laboratoire de recherche en biologie marine qui, riche de plus de 3500 spécimens provenant de toute l'Afrique de l'Ouest, fait la fierté de l'IFAN. Soucieux de joindre la pédagogie à la recherche, la vocation de ce centre est de présenter la richesse du monde marin, depuis la composition de l'eau de mer jusqu'à la pêche et ses différents modes en Afrique. En passant par les aspects les plus divers du monde vivant, comme la reproduction ou l'anatomie fonctionnelle des poissons. En quelques années, Monod et son équipe font de ce centre de biologie marine de l'IFAN un pôle d'excellence de réputation internationale qui correspond avec tous les plus grands instituts de recherche. Avec l'aide de ses collaborateurs, l'IFAN devient aussi une grosse maison d'édition dont les nombreuses publications rayonnent à travers le monde. Ce qui faisait le respect, l'intérêt qu'on portait à l'IFAN, c'était la régularité de ses publications. La régularité des publications est un indicateur extrêmement important de la santé d'une institution de recherche. Et pour que les chercheurs se rencontrent, qu'ils échangent, qu'ils partagent, Monod organise une inter-africaine de la connaissance. Il met sur pied la conférence des africanistes de l'Ouest qui se réunit chaque année afin de faire circuler les savoirs. Et il pense plus large encore. Quand il est à Dakar directeur de l'IFAN, il considère que les chercheurs ne sont pas ceux qui sont payés pour être chercheurs, mais que les chercheurs, c'est quiconque cherche et trouve, ou ne trouve pas, mais cherche. Et je me suis souvent demandé pourquoi il avait fait un petit manuel qui s'appelle « Conseil aux chercheurs » qu'on distribuait partout, que ce soit les enfants des écoles, que ce soit les militaires en garnison à Dakar, que ce soit les populations africaines, etc. On leur disait, voilà, en vous promenant, vous trouvez quelque chose qui vous interroge. Vous le ramassez, vous le prenez, vous identifiez le jour, le lieu, l'heure, et vous l'envoyez à l'Institut français d'Afrique noire. Voilà, vous êtes un chercheur. Nous, on vous dira si c'est une trouvaille, mais vous êtes un chercheur. Et il accumulait comme ça beaucoup de choses dans le journal qui s'appelait Les Notes africaines. Il y a énormément d'apports qui viennent, pas d'anonymes parce que les gens signent leurs papiers, mais viennent de personnes qui n'ont jamais été chercheurs au sens scientifique du mot, mais chercheurs. Et je me suis souvent demandé pourquoi il avait cette conscience qu'être chercheur, c'était de partager cet élan à connaître, à explorer, à comprendre. Eh bien, et à le partager avec tout le monde. Je me suis demandé si finalement, ce qui est une des caractéristiques du protestantisme, à savoir le sacerdoce universel, à savoir que tout le monde est prêtre, Théodore avait traduit « tout le monde est chercheur ». Et voilà, c'est assez simple pour lui. Il n'y a pas besoin d'avoir le bac plus 6. Il suffit de se pencher, de ramasser une fleur, un caillou, un objet, un jouet,
une anecdote, un texte, et de considérer que puisque c'est une énigme, il faut y apporter réponse. Voilà, ça c'est un chercheur. Et lui, il a été chercheur, je crois, toute sa vie. Il n'aurait pas admis que cet appétit de chercher puisse tarir. Tout cela ne se fait pas sans difficulté, sans effort. Théodore Monod mène une vie de labeur consacrée tout entière à la recherche du matin au soir, tendue par le travail. Il n'a connu Dakar que dans une position de responsabilité importante. Il y avait quand même presque quelquefois une cinquantaine de collaborateurs. Il était directeur d'une institution lourde qui produisait beaucoup, qui faisait voyager beaucoup. Il était complètement absorbé par son travail, vraiment, tout le temps. Les horaires, c'était tout le temps. C'est pas, ouais, il y avait une demi-heure par repas et c'est tout. Tout le reste était consacré à l'avancée de la recherche, à l'accueil de collègues étrangers qui venaient à la maison, à l'organisation de colloques. C'est une vie extrêmement prenante. Il ne se prenait jamais en ville. C'est pour ça qu'il a écrit tout ce qu'il a écrit. Même les Européens qui travaillent avec lui pouvaient trouver son goût au travail excessif son côté moralisant, pouvait trouver ça gênant. En tout cas, ça n'a pas plu à tout le monde, ça c'est certain. Monod n'était pas un homme qui voulait plaire à tout le monde. La vérité, c'est que le personnage n'était pas très commode. Il était un peu, je dirais, monomaniaque ou moniste. C'est-à-dire qu'il s'intéressait à un certain nombre de choses, délaissant beaucoup d'autres questions. Et en particulier, la vie familiale a été un peu rude pour sa femme et ses enfants, puisque c'était un grand solitaire, finalement, qui partait pour de longues traversées du désert, de longues absences. J'ai eu des échos, en particulier de ma mère, qui connaissait bien Olga, de sa solitude face à un homme absent physiquement, mais même absent un petit peu quand il était présent, étant peu bavard, hein, peu expansif. On a été élevés par ma mère, principalement. Elle a toujours admiré et aimé Théodore Monod, au point de rendre auprès de ses enfants ses absences légitimes, comme souhaitables. Et quand on nous demande s'il était absent, on est bien obligé de dire oui par rapport aux chronologies, mais on n'en a pas le sentiment. Ça veut dire que ma mère avait cette présence qui comptait pour deux. Et elle savait... je ne sais pas très bien comment, je ne me souviens pas même des mots, mais d'être à notre égard confiante et affectueuse au point que l'absence du père ne nous gênait pas, peut-être même au contraire. On avait une vie plus détendue au cœur de la famille que quand il était là, où les rigueurs de l'horaire se faisaient sentir, mais c'était les seules rigueurs, hein, c'était les horaires étaient stricts. Avec ma mère, un peu moins, je crois. On était à l'air libre, en quelque sorte, et comme dit mon frère, on était logé-nourri. Donc, nous aussi, on faisait l'expérience de la liberté avec des parents qui nous faisaient confiance. L'ethnologue Georges Ballandier dresse ce portrait du directeur de l'IFAN. Sec, noueux et noué, avare de mots, plus sensible au temps de la géologie qu'à celui des hommes, encyclopédiste et méditatif, il en imposait par sa seule présence. Sa légende renforçait cette impression. Elle en faisait le saharien, le technicien des méharés, le savant mystique qui lit la surface et le ciel du désert comme un livre. Partagé entre ses nombreuses activités africaines et Paris, où il donne ses cours d'avril à juillet depuis qu'il a été nommé professeur au Muséum en 1942, Théodore Monod n'en oublie pas pour autant son diocèse mauritanien, où chaque hiver, de 1948 à 1952, il effectue sa tournée pastorale. Le désert est sans doute le contrepoint indispensable à son équilibre et à cette vie de labeur intense, à laquelle il se consacre à temps plus que plein. Pas de questions administratives à régler, de personnel à gérer, de visiteurs inopportuns à accueillir, la paix.
C'était un sanctuaire pour la méditation. Mais je pense que ça a été avant tout un sanctuaire pour la recherche, pour lui, le Sahara. Le nombre de ses collectes est considérable. Je ne sais plus combien de milliers, mais c'est considérable. Son objectif, lui, c'était la connaissance. Il prospectait une région et il apportait ce qu'il avait vu, ce qu'il avait trouvé dans cette région. Donc je pense que c'est surtout ça l'apport de Théodore. Ce n'est pas d'aller chercher quelque chose, c'est d'aller voir ce qu'il y a dans cette région et de rapporter ce qu'il y a trouvé. Et il n'a cessé toute sa vie de ramener des fossiles dans ses poches pour tous ses collègues. Ça aussi, c'est remarquable. Et je me souviens l'avoir vu arriver au labo avec des nummulites ramassées au pied des pyramides d'Égypte lorsqu'il était allé faire une tournée vers la Libye. Et bien, immédiatement, il en mettait dans un petit sachet. Et c'était le 19892e échantillon récolté au cours de sa vie. C'était pour le laboratoire de paléontologie. Non, et c'est ça qui a été remarquable chez lui, c'est ce souci de distribuer autour de lui toutes ses trouvailles et ses découvertes, d'ailleurs pour les enrichir, pour savoir ce dont il s'agissait. Ça aussi, c'est remarquable. Tous les scientifiques ne font pas ça. Pour Monod, le Sahara était... C'était pas un désert. C'était pas un désert. Le Sahara, pour lui, c'était un terrain de chasse, un terrain de découverte, un terrain aussi d'initiation, un terrain d'ascèse. Vous pouvez tenir toute une journée avec une date ou deux dates, hein, et ne manger que le soir. J'ai un autre ami saharien qui était géologue qui citait les Touaregs, les nomades du désert, en disant qu'un Touareg peut tenir trois jours avec une date. Le premier jour, il mange l'écorce, le deuxième jour, il mange la pulpe, et le troisième jour, il mange le noyau. Il était un peu comme ça dans sa façon de s'alimenter. Mais Théodore, il avait un appétit de solitude énorme. Et je crois quand même qu'il a été, il était morphologiquement mieux adapté aux rudesses des chaleurs sahariennes qu'au grand froid du Groenland. Il a été question qu'il parte avec Paul-Émile Victor à un moment, dans une expédition, mais ça aurait pu être qu'une expédition très momentanée. Tandis que là, au Sahara, il s'est retrouvé à la fois seul, il avait une forte, forte tendance à la solitude, et puis extraordinairement libre. Et ça, je crois que c'était aussi un trait de son caractère, de vouloir être dans la non-dépendance des autres, et dans le non-contact aussi, d'ailleurs. Enfin, c'est une liberté, très, très égocentrée. Voilà. Mais c'est pour ça, c'est un paradis, le désert. La fantaisie et un soupçon de frisson sont au menu de la traversée Dunkerque-Dakar que Théodore Monod effectue à bord du Scaldis en septembre 1948. Le naturaliste a été tiré au sort pour participer à des explorations sous-marines dans le bathyscaphe du professeur Auguste Picard qui inspira Hergé pour son professeur Tournesol. Si vous continuez à me regarder comme cela, je rentre la tête pour de bon. Enfin seul. Après plusieurs essais et péripéties, l'engin plonge en baie de Dakar le 26 octobre 1948. La première plongée atteint 25 mètres, soit, comme il le dira, 25 000 mm, cela fait quand même plus sérieux. Qu'espérez-vous trouver au fond des mers ? Une attraction sensationnelle, les merveilles du monde sous-marin à la portée de tous. Une occasion unique, départ tous les jours à 16 heures, sirène garantie. En avril 1954, une deuxième plongée atteindra cette fois-ci 1450 mètres. Retour sur la terre ferme, sur le plancher des vaches, ou plus exactement, sur le plancher des chameaux. C'est en 1953 que Théodore Monod décide d'entreprendre une exploration de la Majabat al-Kubra, immense territoire sableux jamais traversé dans sa longueur depuis des millénaires. Un polygone de 500 km de large et de 900 km de long, sans point d'eau et sans pâturage vert, aux confins de la Mauritanie et du Mali.
Il faut l'avouer, cette fois, c'est un peu tenter le diable. Et si mon vieux désert trouve que ce coup-ci j'exagère, il ne sera pas en peine de me le signifier. Le départ a lieu le 11 décembre 1954, avec deux goumiers et cinq chameaux qui lui donnent le plus grand souci au départ, car ils ne veulent pas boire. Un plateau gréseux franchi, la petite caravane entre dans les sables de l'Ouarane. Nous y resterons du 12 décembre au 26 janvier à nous limer les orteils jusqu'au sang, tant l'abrasif est efficace. Il faudra même recoudre les sols des chameaux. Pour moi, la méharée la plus, une des méharées les plus extraordinaires qu'il ait pu faire, c'est quand même bon, la traversée, ce qu'il a intitulé une promenade au Sahara, 900 km entre Ouadan et Haroun, la traversée de la Madjabat El Koubra, hein, qui veut dire la grande solitude. Et il est parti à travers faire ce raid, qui n'a pas été seulement, il ne s'est pas arrêté à 900 km. Hein. Il a fait 900 km sans point d'eau. Il a été totalement bluffé à l'arrivée, par, là c'est le côté humoristique, par le fait que ses chameaux n'ont pas bu. Alors là, il les a amenés au puits, les chameaux n'ont pas bu, alors qu'ils n'avaient pas bu depuis des jours, des semaines. Et il est reparti dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il a fait, en 45 jours, il a fait 1700 km, qui est quand même pas une petite promenade de, en forêt de Fontainebleau. Hein. Et ça, c'est du mono. C'est en calculant, évidemment, le côté humoristique, en calculant le nombre de verres de thé qu'il buvait par jour et le nombre de grammes de riz qu'il mangeait. Ça, c'est son côté aussi humour. En tant que Saharien, mon admiration, ce qu'il a fait dans la Madjabat al-Kubra, c'est quand même incroyable. Des espaces tellement vastes, même les grandes caravanes historiques ne passaient pas dans des milieux pareils. Elles avaient toujours ces grandes caravanes historiques, par exemple celle qui a été Tripoli à Tombouctou, des puits intermédiaires qui permettaient de se ravitailler en eau. Mais là, non, là c'est quand même une zone dunaire en plus de cela. Donc on sait très bien que déjà pour les chameaux c'est difficile de passer les sifs dunaires, pour les hommes aussi évidemment. Donc c'est quand même un exploit. Hein. Et puis c'est pas une, c'est plusieurs qu'il a fait dans la Madjabat al-Kubra. Il faut un peu de rêve pour arriver à faire des choses comme ça. Quand il a traversé la Madjabat al-Kubra, la grande solitude, les militaires français, dont le capitaine Ogeras, lui a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire, Mono, là-bas? Il n'y a rien à voir, puisque tout le monde sait qu'il n'y a rien dans la Madjabat. C'est la grande solitude. Il dit, il faut en être sûr. Donc, il faut aller voir. Et donc, voilà, il est parti. Il faut être sûr qu'il n'y a rien. Et il est parti voir qu'il n'y avait effectivement rien. Donc, c'est assez étonnant. Le personnage est assez bluffant, quoi, je veux dire. Mais c'est quand même quelqu'un qui avait une force de volonté que rien ne pouvait arrêter quand il avait décidé de faire quelque chose. C'était impossible. Même si c'était à risque, c'était pas grave. Il avait décidé de faire un voyage, il y allait. Il y allait. Théodore Monod est allé chercher le désert avec tout ce que ça pouvait impliquer. C'est-à-dire le désert dans sa totalité. Du grain de sable jusqu'au dromadaire, avec tout ce qui était possible d'y trouver, d'y examiner, d'essayer de comprendre le fonctionnement de cet énorme écosystème qui, finalement, est beaucoup plus compliqué qu'on ne l'imagine. Se nourrissant de dattes, de riz et de thé sucré, l'explorateur parcourt à la boussole ce désert intégral dans tous les sens et va dans des lieux que même les nomades n'ont pas souhaité connaître. En un mois et demi, à raison de 40 km par jour, il avale 1700 km de désert. Le sable est notre ennemi, matière diabolique. Je suis fait pour la terre ferme et le sol dur. Les vagues de sable ou d'eau ne me plaisent pas et m'épuisent. Contrairement aux idées toutes faites, ce ne sont pas les pensées spirituelles qui dominent en ces moments, mais le rêve de camembert ou de citronnade glacée. À son retour, Théodore Monod publie un petit livre, « Tais-toi et marche ». Cette navigation auturière de 1954 sera la première d'une longue série. En l'espace de 6 voyages d'exploration, Monod parcourra plus de 6000 km dans la Madjabat. Ses expéditions le hissent au rang des plus célèbres explorateurs du Sahara. Il est devenu le fou du désert. On sait désormais qu'en Afrique marche pour la science française un savant exceptionnel, explorateur hors normes et administrateur hors pair. Comme ici à New York en décembre 1961, lorsqu'il reçoit le prix de la Société américaine de géographie pour avoir créé l'un des organismes scientifiques les plus admirés et les plus respectés dans le monde.
Si dans chaque homme il y a une histoire, dans Théodore Monod, il y a désormais une légende. Le savant ne se désintéresse pas pour autant de l'état du monde. Violemment non-violent, détestant la guerre et toute forme de violence, il signe en 1960 le manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie pour demander l'arrêt des combats. « Bien que fonctionnaire, je persiste, à tort ou à raison, à me considérer comme un homme libre. D'ailleurs, si j'ai vendu à l'État une certaine part de mon activité cérébrale, je ne lui ai livré ni mon cœur ni mon âme. » Cela lui vaut quelques tracasseries de la part du gouvernement français qui le prive de sa signature de directeur et suspend son salaire pendant plusieurs mois. Mais cela ne le fait pas plier pour autant. Quand il refuse de l'allégeance au maréchal Pétain, c'est niet. C'est très simple. Non, quand il signe le manifeste des 121 pour l'insoumission à la guerre d'Algérie, c'est une conviction. Il est un peu tourmenté par l'administration française à cause de ces attitudes-là, mais non, ça c'est... Quand il signe quelque chose, c'est vraiment par conviction profonde. Et voilà, il a cette position-là, et puis c'est tout. Puis advienne ce que vous voulez, mais c'est comme ça. Moi, je crois ça. Il ne déroge pas à ce que sa conscience lui dicte. Et il est très fort pour ça, hein. Très très fort pour ça. Depuis longtemps, Monod a compris que l'histoire est en marche et que, suite aux indépendances, il va lui falloir quitter le Sénégal. Dans cette perspective, il prépare en 1963 la transmission de l'IFAN aux Sénégalais avec le même souci que celui qui a prévalu à sa construction. Avec la rigueur qui le caractérise, il laisse toutes les collections sur place. L'immense travail, l'exceptionnel apport fait par ses soins au Sénégal et à l'Afrique est reconnu à sa juste valeur, même au plus haut sommet de l'État sénégalais. Je n'ai pas une seule fois eu une information, un récit qui ait dit que cet homme ait une seule fois été inconséquent par rapport à sa mission de chef d'entreprise. Ça a toujours été un homme extrêmement rigoureux qui a mis les intérêts de la maison au-dessus de tout le reste. Théodore Monod, unanimement, était aimé, non pas seulement parce qu'il faisait, parce que beaucoup d'Africains, de Sénégalais, ne savaient même pas ce que c'était l'IFAN, mais l'homme, d'abord, était un homme qui avait une certaine aura, et puis c'était un homme qui avait une certaine culture. Et c'était un homme qui respectait. Oh, vous n'êtes respectable que quand vous respectez. Et Théodore Monod était respectable parce qu'il était respectueux. Quelles ont été les relations entre Théodore Monod et Léopold Sédar Senghor ? Je pense qu'entre hommes de culture, autant les horizons sont différents, autant on a tendance à se rassembler. C'est peut-être une contradiction, mais Senghor, c'était l'homme de la symbiose, de l'ouverture aussi, bien sûr. Mais Théodore Monod, c'était surtout l'homme de l'ouverture et de la symbiose après. Et je pense que les deux hommes se sont bien compris et qu'il y avait une harmonie entre ces deux êtres de culture. Quand il faut gommer le F de français de l'IFAN et le transformer, il pense, avec son humour habituel, le rebaptiser Institut farfelu d'Afrique noire. Tant il a ouvert cette maison à de multiples disciplines. Recherche en linguistique, histoire, sociologie, ethnologie, démographie, géographie, zoologie, botanique et géologie. Ce lieu unique d'étude et de conservation du patrimoine d'Afrique de l'Ouest, l'une des plus importantes mémoires de l'Afrique, est finalement intégré à l'Université de Dakar sous l'appellation Institut fondamental d'Afrique noire. Théodore Monod surveille de près cette intégration et s'occupe personnellement de l'aménagement du nouvel IFAN, désormais situé sur le campus de la plus grande université d'Afrique de l'Ouest. C'était un idéaliste pragmatique. Je pense qu'il a pu être un bon chef
qui savait qu'il avait une mission de service public à accomplir, il l'a accompli. Et je pense aussi qu'il n'a pas étouffé les diversités et les voix parfois discordantes. Quand on lit vraiment les rapports de l'IFAN, c'est très, très amusant. Il y a des choses vraiment qui se passent, c'est presque des querelles de ménage. Et ça, il a su les gérer en maintenant le cap, parce que je pense que pour lui, l'objectif final, c'était de construire un bateau capable d'affronter la haute mer. Il le dit, c'est son dernier rapport. Et pour lui, quand il partait, le bateau était construit, et je pense que oui, il était construit et bien construit. Oui, les deux premières générations de chercheurs africains se sont bien rendus compte que le travail était étonnant, quoi. Étonnant. C'était ce qu'on pouvait faire de mieux, hein, et ce qui était conçu avec le plus d'intelligence. Et je pense que ça a été une bonne réussite, parce que même après la décolonisation, nous avons compris que nous avons un patrimoine commun. Je pense que l'IFAN a permis de mieux connaître l'Afrique noire dans toutes ses composantes humaines et naturelles. Ça, c'est incontestable. Ici, nous avons la chance d'avoir des collections qui portent sur toute la région, parfois sur tout le continent. C'est quand même exceptionnel. Et je pense que ça interroge. Je pense qu'un homme comme Théodore Monod, ce qui l'intéressait, ce qui l'a marqué le plus, c'est le sens de l'humain. Et ça, c'est important à dire parce que son action se situe à l'époque coloniale. À l'époque coloniale où l'homme africain, ce n'était pas un homme à part entière. Ce n'était pas un homme comme le blanc. C'était un peu la bête curieuse qu'on va étudier. Et lui, il a découvert l'homme. Il a découvert les civilisations. Et son contact à travers, avec les chercheurs d'abord autour de lui, à l'IFAN. Et surtout quand je pense à l'amitié qu'il a liée à Amadou Ampatiba. Il a dépassé la colonisation, il a dépassé la conception coloniale de l'homme africain pour sentir tout simplement qu'il était en face d'un peuple, il était en face des hommes, qui étaient tout simplement des hommes, comme on en rencontre en France, comme on en rencontre en Angleterre, en Allemagne, des hommes. Alors ce sens de l'humain, je crois que c'est ce qu'il faut noter chez cet homme-là, qui s'est consacré finalement entièrement à l'Afrique, à ce Sahara, où on trouve les traces de l'homme, les traces les plus anciennes de l'homme. De retour à Paris en janvier 1965, le naturaliste retrouve l'Académie des sciences de Paris où il a été élu deux années plus tôt, ainsi que son travailloir du muséum. Il poursuit ses nombreux travaux tant en sciences de l'homme qu'en sciences de la nature, mais n'oublie pas pour autant l'Afrique, où il participe en décembre 1967 au Congrès panafricain de préhistoire. Cette même année, il reçoit des mains de l'empereur d'Éthiopie le prix de l'African Research, le prix Nobel africain. Il observe aussi les changements que la société française vit sur un mode un peu moins protocolaire. Comment a-t-il vécu la période de mai 1968 ? Joyeusement. À ramasser les tracts partout où il pouvait et à aller au plus de manifestations possibles. Il a trouvé que c'était un moment eschatologique intéressant où les valeurs étaient renversées, où les questions pouvaient se poser. Où... Il s'est beaucoup intéressé à cette irruption de la jeunesse et de la remise en cause des valeurs. Alors, tout ne lui plaisait pas, sûrement. Mais sur le fond, il considérait qu'il valait mieux bouger que de rester stagnant. Ce qui lui correspondait très, très bien. De renverser les mandarins, ça ne le gênait pas du tout. Les professeurs d'université, etc. Alors qu'il l'était, qu'il était académicien, etc. Mais cette mise en question lui plaisait bien. C'était stressant. Ah oui, il avait...
Il a collectionné énormément de papiers à cette époque. Il ramassait tous les tracts qu'il pouvait pour se demander à quelle bibliothèque il pourrait les transmettre. Parce que naturellement, quand il cherchait des tracts, ce n'est pas pour envelopper le poisson. C'est pour les étiqueter, mettre la date, voir d'abord s'il y en a une, s'offusquer qu'un tract puisse paraître sans qu'il y ait une date. Enfin, c'est un chercheur, voilà, en sciences naturelles et puis en sciences sociologiques aussi. Voilà. Mais il n'a pas trouvé de tract qui soit méconnu des bibliothèques spécialisées, du tout. Le chercheur n'arpente pas que le pavé de la contestation, que ce soit à Paris ou au plateau du Larzac. Le désert faisant partie intégrante de son écosystème, il continue à entreprendre de nombreuses explorations. Parce que, loin des affres de la civilisation occidentale, de la médiocrité d'une certaine modernité, du gâchis qu'impose la société de consommation, le désert ne ment pas. Qu'il replace l'homme à sa vraie place dans la nature, le cosmos, lui donnant à la fois grandeur et petitesse. En 1969, il effectue une mission scientifique dans le désert de Lout, en Iran, autre désert intégral. Beau désert, mais il n'y a pas de Touareg, confiera-t-il. À partir de 1974, devenu professeur honoraire au muséum et dégagé des tâches administratives, Théodore Monod demeure un chercheur. Il partage son temps entre ses nombreux travaux scientifiques, ses explorations sahariennes et ses prises de position humanistes. Je n'ai jamais séparé ma vie quotidienne du sentiment de l'infini, que ce soit au désert ou dans la cité, disait-il. Membre de plus d'une trentaine d'associations, cela fait longtemps qu'il a fait sien le slogan « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Il lutte contre l'homme qui se prend pour le roi de la création et dénonce la société du profit qui a servi l'homme et la nature. Je crois que c'est un vrai militant et un militant d'une bonne façon, c'est-à-dire jamais dans la violence, jamais mais dans la fermeté. C'est la fermeté de son projet et de ses idées qui le caractérise. Pour lui, c'était un événement concret que la préparation du suicide nucléaire, car nous sommes en train de préparer le suicide nucléaire. Il représentait pour moi l'idéal du militant antinucléaire. Du coup, je pense qu'il faut continuer cette lutte. Par fidélité à Théodore Monod, il faut continuer à dire on n'a pas le droit d'achever l'espèce plus vite qu'elle ne l'aurait été. Et c'est ça qui est en cause actuellement. Il était lucide. Et actuellement, on vit dans une société qui n'est pas lucide du tout. Lui, il savait présenter les choses avec vigueur. Et il nous manque. Avec l'âge aidant, la lucidité qu'il a eue très tôt sur le monde, sur l'Afrique, sur la société, sur les défauts des sociétés occidentales, ça, il l'a eu très tôt, mais il l'a exprimé de mieux en mieux, je dirais, au cours des années. C'est ce que les gens appréciaient chez lui. Il disait des choses aussi très vraies, il y avait un parler frais, et parfois très anticonformistes. Probablement, tout le monde connaît, il est bon de le rappeler, une histoire typique de Théodore Monod, invité à la garden party de l'Élysée par le président François Mitterrand à l'occasion du 14 juillet. Et la lettre de réponse à cette invitation par Théodore Monod est un modèle du genre. Théodore Monod répond à Monsieur le Président de la République, j'ai bien reçu votre aimable invitation à participer à la garden party d'Élysée à l'occasion du défilé des armées sur les Champs-Élysées. Tant que l'hymne national français comportera dans ses strophes des vers qui sont un appel au sang avec des choses pas convenables, je ne viendrai pas à la garden party de l'Élysée. Voilà, ça c'est du Théodore Monod typique et qui, je trouve, reflète bien ce qu'il pensait, ce qu'il disait, et il avait le courage de ses idées.
Moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'est qu'il n'y avait pas besoin que quelque chose soit possible ou qu'on sache qu'on va être efficace pour qu'il essaye. C'est pas parce qu'une cause était perdue qu'il n'allait pas continuer à la soutenir et à la défendre. Et ça, je trouvais ça quand même assez frappant. Et bon, c'était un petit peu le cas de Chinguetti, ce qu'il ne savait pas forcément au départ, mais c'était le cas, par exemple, de son combat contre le rallye Paris-Dakar, où il savait très bien que ça ne servait à rien d'aller se mettre devant les voitures. Néanmoins, il le faisait parce qu'il voulait bien montrer qu'il ne serait pas dit que personne ne s'était déplacé pour empêcher le départ de ce rallye. Il pensait qu'il y avait des causes qui méritaient d'être défendues, même si on était seul à crier, dans le désert, justement. C'est tout à fait prophétique, ça. D'être tout seul, ça n'a pas d'importance. Quand il jeûne à Taverny, en souvenir de Hiroshima et Nagasaki, pour signaler qu'on a quitté l'ère chrétienne et qu'on est entré dans l'ère nucléaire, c'est-à-dire un temps où désormais les hommes, par la bombe atomique, peuvent atteindre le devenir de l'espèce à travers les gènes, puisqu'il y a encore des victimes, il dit on est une petite poignée. Mais il faut que la veille s'exerce et qu'on alerte comme on peut, et avec nos moyens, non violents bien sûr, de ce passage à une ère complètement nouvelle qui nous fait regarder le monde de façon tout à fait différente. Il y avait une forme de simplicité dans ses engagements qui ne le poussait pas à réfléchir, à entrer en politique dans le bon sens du terme, c'est-à-dire à formuler des propositions concrètes. Lui était plutôt dénonciateur d'un certain nombre d'actes. Mais c'était déjà pas mal de se comporter de cette manière, de cette capacité de s'indigner. Mais il a fait aussi une forme de politique en résistant, en se battant contre les essais nucléaires. Il donnait l'exemple, il se battait contre la chasse, contre toutes les sévices imposées aux animaux, bien entendu. Mais il a pris des causes aussi que l'on connaît moins bien, mais qui sont très humaine. Enfin voilà, il s'est battu aussi pour les faibles. Il y avait aussi un peu d'Abbé Pierre chez lui. Donc c'est une manière aussi d'agir sur la société. Et c'est comme ça que, quand on évoque sa vie, je dirais, militante, il a juxtaposé toutes sortes de militances, considérant, je crois, que elle n'avait de sens que tout ensemble. Et pas seulement pour le logement, et pas seulement contre le tabac, et pas seulement contre l'alcoolisme, contre la tauromachie, contre... Non, c'est ce tout-là qui constitue ce que lui a résumé dans cette phrase, révérence à la vie. Voilà. La vie d'abord, et surtout, pas le respect, mais la révérence à la vie. C'est-à-dire laisser, se retirer pour laisser la place à la vie, en fait. Et il rappelait souvent cette phrase d'un poète anglais qui disait que celui qui cueille une fleur, dérange une étoile. Et je crois qu'il a tout au fond, mesuré à cette conviction-là, que vraiment, rien n'était indifférent. Nous sommes les habitants d'une biosphère où tous les éléments constitutifs de ce monde sont interdépendants. Toujours à la pointe des combats de civilisation, Théodore Monod condamne l'entreprise d'unification gigantesque et dénonce le pillage insensé de la planète. Cette nature qui est en fait un capital précieux, légué par le passé et dont nous demeurons comptables vis-à-vis de l'avenir, a été regardée jusqu'ici, de façon générale, comme une proie saccagée, tout étant permis qui peut rapporter. Parmi les fins importantes de la vie humaine se trouve la préservation de toutes les sources d'émerveillement et de jouissances pures, telles que de beaux paysages, des animaux sauvages en liberté ou une nature intacte, à côté de la paix et de l'harmonie intérieure. Il faut quand même finir par comprendre que tout se tient, que nous sommes dans un seul cosmos et que nous ne sommes pas seuls, qu'il y ait une réconciliation entre les êtres vivants.
ma colonne vertébrale au départ, c'est Théodore. Voilà, sur le sens du progrès, sur la place de l'homme, sur notre communauté d'origine avec le vivant, et donc sur notre communauté de destin, sur le respect de la vie comme fondement de l'éthique. Tout ça, c'est des choses que Théodore Monod m'a appris. Et tout le reste est venu après. Mais probablement que ça a été un des premiers révélateurs. Et voilà. Donc c'est un homme qui a vu l'impasse dans laquelle nos sociétés consuméristes étaient, de nos sociétés libérales, de ce monde matérialiste, de ce schisme, l'expression est de lui, entre l'homme et la nature. Tout ça, il l'avait parfaitement vu. Il a quand même plaidé pour que l'écologie soit d'abord spirituelle et culturelle avant d'être un marchandage financier pour pas gêner les lobbies, pour pas etc. C'est des positions très très fortes là-dessus. Il y a aucun doute. On peut pas tergiverser là-dessus. Dès que l'avenir de la planète, ça ne se mégote pas. Mais par contre, peut-être que c'est trop tard. À presque 100 ans, toujours animé par la même foi, Théodore Monod continue à arpenter le pavé parisien et le désert, nous rappelant à davantage de raison, à davantage de bon sens. Nous assistons à l'installation d'une civilisation profondément inhumaine, parce qu'elle a opté, elle opte pour le plus contre le mieux, pour la quantité plutôt que pour la qualité, pour l'avoir plutôt que pour l'être. Cela donne des êtres vides aux mains pleines. Ce n'est pas ce que j'appelle l'homme complet. On nous parle toujours du produit intérieur brut. On calcule le PIB, mais qui pense au bonheur national brut? Qui sait même de le calculer? Il posait les bonnes questions sur l'avenir de l'humanité. Il a toujours eu foi dans l'homme, mais il mettait en garde contre les défauts et les travers de l'humanité, soucieuse uniquement de son bien-être, égoïste, intéressé par l'argent, ne se souciant pas du lendemain, s'occupant de fabriquer des armes de destruction, etc. Oui, il a été un veilleur pour alerter le monde et ses semblables sur les dangers que courait l'humanité. Chemin faisant, ce scientifique a toujours gardé cette exigence de l'humain. Son attention à l'humanité, sa tendresse pour l'humanité. Les longues randonnées dans le désert lui offraient de longues journées de méditation, de calme, de réflexion, et il adorait ça, de pouvoir marcher dans une solitude absolue. D'ailleurs, ce milieu est aussi une façon de se retrouver soi-même, et de se pencher sur son propre destin, sa vie. Il adorait ça. Et ses écrits, manifestement, en témoignent. C'est non seulement une exploration du monde naturel, mais une réflexion sur la Terre, l'homme, l'existence de l'homme, à la fois dans le désert ou sur la planète. Un certain nombre de grands penseurs sont allés dans le désert pour écrire toutes sortes de choses remarquables. Le désert lui allait bien, d'ailleurs. D'abord parce que le désert, c'est une échelle de temps qui lui allait bien. Et puis, quand il parle de cette somme de soustraction, je pense que lui-même s'était soustrait à tout l'inutile pour se concentrer sur l'essentiel. Voilà. Il considérait qu'on avait autour de nous une telle profusion de beauté que pourquoi aller chercher ailleurs des artifices d'émotion alors que la planète et l'univers étaient une source d'émerveillement en permanence, et que à quoi courons-nous? À être émerveillés, à vibrer. Et ça, cet éloge de la beauté que de grands philosophes ont su mettre en avant, il a su également le faire. Le 5 décembre 1999, alors que sa fille Béatrice vient le réveiller pour partir une nouvelle fois en Mauritanie,
Théodore annonce « Mon bras gauche est mort ». Une attaque cérébrale survenue dans la nuit l'a laissé paralysé. Le 22 novembre 2000, Théodore Monod rend la barque prêtée et passe sur l'autre rive. Il rentre dans l'éternité. La vie éternelle n'est-elle pas d'abord l'éternité de la vie ? Il a laissé une œuvre immense. Il a aussi laissé, comme tout naturaliste qui découvre des espèces nouvelles, une quantité énorme d'espèces qui portent son nom comme inventeur de telle et telle espèce dans tous les domaines. Il en a une grande, grande quantité. De cette façon-là, il est un peu immortel, finalement. Donc, voilà, ce que laisse la chance du travail de naturaliste, c'est de laisser derrière une œuvre qui reste et qui ne s'évanouit pas dans les sables du désert. C'est ça l'intérêt du métier de naturaliste. Toute sa vie, il a cherché jusqu'à réinventer les recherches quand il était arrivé à un échec. Quand cette recherche de météorite de Chinguetti ou sa petite fleur ou le ver libyque, comme ça, à la fin de sa vie, il a quasiment réinventé des pistes qui étaient restées sans solution pour d'abord repartir et puis ensuite repartir parce que la solution n'était pas apportée par le premier voyage. Donc il se réjouissait d'un second. En quelque sorte, l'échec était porteur d'une espérance de repartir. Il a toujours fonctionné comme ça, dans un élan. Voilà. C'est ça que j'appelle nomade. C'est un homme de l'élan. Pas du tout statique. Il ne pouvait pas être dogmatique, ce homme-là. Il ne pouvait pas. Il était toujours en questionnement et en recherche. Un veilleur en marche, c'est assez typiquement qui il a été. Et un éveilleur, puisqu'il était enseignant, enfin, c'est des passeurs de savoir aussi. Il a beaucoup fait pour ça. Lorsqu'on a pris conscience de l'extraordinaire diversité de la vie, de l'extraordinaire ingéniosité de la vie, qui s'est adaptée dans les groupes, dans différents groupes, à des conditions climatiques, différents, très différents les unes des autres, on ne peut être que émerveillé, stupéfait même. Et on cherche une explication, naturellement. On voudrait savoir comment ces différents animaux, différents groupes, ont réussi à s'adapter de façon aussi ingénieuse que les poissons perroquets, par exemple, leurs conditions à eux. Si c'est simplement le hasard qui a joué dans l'apparition de ces caractères nouveaux, ou bien s'il y a quelque part un projet, une intention. C'est très difficile à en décider, naturellement. Thank you.